commune de Jemeppe-sur-Sambre entretient un rapport étroit avec l'histoire. Elle y abrite de nombreux bâtiments anciens, comme le magnifique château de Mielmont, mais remonte encore le temps avec son célèbre homme de spie, représentant de l'homme de Néandertal. Pas étonnant de retrouver dans cette région les inventions qui ont fait l'histoire. Bonjour Guy! Ce petit-fils d'imprimeur a ouvert chez lui un musée dédié à l'histoire de la typographie. À l'origine, la typographie désigne l'ensemble des techniques d'impression utilisant des caractères en relief. C'est au XVe siècle que, grâce à Gutenberg, l'imprimerie moderne voit le jour. Son principe est d'une prodigieuse simplicité. On exerce une grande pression sur une feuille placée sur un ensemble de caractères en plomb, préalablement ancrés. Et de caractères, Guy ne semble pas en manquer. Voilà plus de 20 ans qu'il assemble sa collection de machines et d'affiches. Alors pour découvrir tous ces trésors, empressez-vous! Ce week-end, entrez chez ces hommes et ces femmes qui font la Wallonie au quotidien, partagez leur passion et découvrez un patrimoine exceptionnel au travers d'artisans, conteurs, gastronomes et artistes. C'est 20 et 21 mai, les Wallons vous ouvrent leurs portes à Plombières, Jemeppe-sur-Sambre, Soigny, Binche, Meix-devant-Virton et Tintigny. Une initiative de la Wallonie avec La Une et Vivacité. Plus d'infos sur wallonie-bienvenue.be.